J'ai cliqué sur la barre, il y a écrit Tobias, Choco, Regal, mariage. Mais ça veut dire qu'ils étaient en couple. En fait, il y a tout le monde qui m'a posé cette question, qui m'a dit ça fait combien de temps que vous êtes en couple ou quoi. J'ai annoncé du coup à mes parents que j'allais me marier, mais... Oh, à un moment, vous cassez les couilles à tout le monde parce que les gens sont soit les... Attendez, mais c'est trop drôle là. Coucou mes petits Chocopops. Coucou les Chocopops, coucou les chocolats. Salut Choco. Comment ça va? Bon, j'ai pas commencé la vidéo, ça y est, j'en ai marre. Coucou les Chocopops, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Je rigole, ça va super bien. On m'a demandé en mariage. La fille qui veut vraiment me montrer partout. Voilà, je vais marier. Oh, salut. Coucou. Comment ça va? Moi, elle est un peu trop grande, mais bon, vous avez compris dans le principe. Aujourd'hui, je vais réagir au TikTok sur moi. Je tenais à vous remercier encore une fois. J'ai reçu plein de messages concernant la demande de mariage qui m'a fait Tobias. Et je suis encore toute émue, toute émoustillée. Je suis encore sur mon petit nuage, tout mignon. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas, ensemble, réagir au TikTok sur moi, parce que ça m'arrive de temps en temps d'être là dans mes toilettes, de swiper. Oui, dans mes toilettes, d'accord. Quand tu me juges, c'est très bien, là, tu regardes la vidéo autour des toilettes. Et là, entre deux TikTok, mon Everest et Dalcy, je tombe sur quoi? Quacoubé. Je tombe sur des streamers qui réagissent à la demande en mariage. J'ai vu passer Domingo, j'ai vu passer Elidia. Et je me suis dit, comment ça, ça réacte? Non, je me suis pas du tout dit ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une vidéo pour réagir ensemble? Aujourd'hui, on va être honnête, je vais répondre aux critiques des gens qui sont pas contents parce que je me suis mariée. C'est le concept de cette vidéo, j'espère que vous êtes bien installés dans votre petit canapé. On fait quoi avant que la vidéo débute? Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. C'est parti, on va réagir au TikTok sur moi. Déjà, il y a quelque chose qui ne me va pas du tout. Les gars, comment c'est possible qu'il y a plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube? On est 1 400 034, c'est déjà énorme, merci beaucoup. Mais je veux que ce soit plus là. Non mais là, je veux que vous dépassiez la commu TikTok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, wesh les gars. J'ai fait exprès d'être en navigation privée pour justement qu'il n'y ait pas de mes recherches ou qu'il n'y ait rien du tout qui me corresponde. J'ai cliqué sur la barre, il y a écrit Tobias, Choco, Régal, mariage. Non. Pardon. Non, ça c'est pas possible. Ok, on va cliquer sur Choco, Régal, mariage parce que ça... Voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Quoi? Tobias demande Choco en mariage, 1,7 million de vues. Je ne m'attendais pas à ça. Je passais la soirée la plus banale. Bon, la plus banale, j'étais quand même dans les locaux de téléphone. En gros, si j'ai bien compris, c'est un gars qui a repris ma vidéo, je vloguais le moment où on m'a demandé en mariage et qui a mis un petit truc, vas-y, un petit jeu. Regardez les commentaires. Elle a pas 16 ans, elle. Vous savez que, attendez, mais il y a énormément de personnes qui justement pensent que j'ai 16 ans. À cause du prank que j'avais fait il y a maintenant un an, je crois. Les gars, j'ai pas 16 ans, j'ai 19 ans. Voilà, je suis une 2004. Vous savez quoi? Parce que tout le monde pense que je suis encore mineure. Vous savez ce que je vais faire? Je vais ramener ma carte d'identité comme ça. Vous allez arrêter de dire que j'ai 16 ans. J'ai 19 ans et là, je vais sur mes 20 ans. On dirait pas, on est à l'école primaire. Non, j'ai pas 7 ans. J'ai 7 ans et demi. Nous y est. Putain, qu'il fallait que je vous montre ma carte d'identité. Comme ça, ça sera enfin officiel. Voici ma petite carte d'identité. J'ai pas du tout la même tête. Il y a bien écrit 6-12-2004. Voilà, donc je suis bien une 2004. Ma date de naissance, c'est bien le 6 décembre. Et là, vous êtes sûr que je ne vous mens pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai un cadeau. Attendez, mais quoi? Vous savez que je me souviens même pas de ce moment. Regardez mon petit sourire. J'étais comme ça. Et il l'a fait. Dans les commentaires, ça dit, mais ça veut dire qu'ils étaient en couple. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui m'a posé cette question, qui m'a dit, ça fait combien de temps que vous êtes en couple ou quoi? La réponse va peut-être vous choquer, mais non, on n'était pas en couple. On s'entendait très bien. On savait qu'on avait des points communs, mais on s'était pas dit, allez, vas-y, on se met ensemble, c'est parti, mon kiki. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Juste, on discutait souvent, et à chaque fois qu'on se voyait, parce qu'on bossait ensemble, on faisait des vidéos ensemble. Mais il y avait une petite affinité, quoi. Une petite affinité. Et ensuite, mes parents ont vu ses parents. Mais en fait, on a discuté du fait qu'on voulait se marier, mais ils m'avaient jamais réellement demandé, bah voilà, si vous voulez me marier, quoi. Donc là, c'était vraiment surprenant. Non, ma daronne, elle a chialé. C'est trop mignon. Moi, dans les commentaires, je veux savoir, vous, ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu qu'il m'a demandé en mariage? Regardez, même les gens du jury, c'était en mode non, c'est vrai et tout. Même dans le public, ils étaient en mode regardez leur tête. Camélia félicite Tobias pour la demande en mariage. Voyons voir. Courageux de sa part. J'ai vu la rediff et j'ai pleuré. Ah, c'est trop mignon. J'ai littéralement pleuré. Parce que franchement... Mais ça me touche trop. Parce qu'en vrai, si moi, il m'a fait pleurer, s'il a fait pleurer des darons, s'il a fait pleurer plein de gens, dire que c'était vraiment un moment émouvant, mais pas que pour moi. Genre, c'est un moment qu'il a voulu partager même avec plein de monde. Et c'est trop touchant. En peu de temps, il a su que c'était elle. Boum. C'est vrai ça. Parce que en vrai, je l'ai connu au Wonder Wars de Michou. C'était il y a 6-7 mois quand même. C'est pour ça qu'en fait, il m'a demandé en mariage dans un truc de Michou. Parce que c'est là où on s'est rencontrés. C'est là où... Ah,
j'ai tout capté. Et puis ensuite on est allé à Miami. Et c'est là qu'à Miami on a aussi beaucoup discuté. Et ensuite, de toute façon, vous avez vu, hein, on était tout le temps en live ensemble, on discutait beaucoup. Ça fait trop plaisir de ce qu'elle dit. Mariage, mairie en plus, j'ai entendu aussi. Oui, c'est vrai aussi. Bon, là pour le moment on est fiancés du coup. On n'est pas encore mariés au niveau de la mairie. En tout cas, sachez que c'est vraiment très très bientôt. Je suis incroyable, Inch'Allah, je leur souhaite tout le bonheur du monde et qu'Allah les préserve, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est trop mignon ce qu'elle dit. Également, je souhaite à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo bah plein d'amour, plein de bonheur. Franchement, merci beaucoup Camille, ce que tu dis, c'est grave touchant. Naskid parle du mariage de Tobias, c'est aussi un streamer qui a produit énormément de sons. On va voir ce qu'il dit. Ça fait une demande en mariage hier. Ouais, bah après, bah évidemment, c'est quoi? Franchement. Quel respect. Oh. Quel respect. Il a quel âge? Il a 19 ans. Il a demandé la main du coup maintenant à sa femme, bah, Choco, pour ceux qui savent, à la télé. Hein. Je crois que c'est pas sur Internet. Je crois que c'était à la télé, TF1. C'est vraiment. Bon, après, j'ai envie de vous dire, évidemment, félicitations à lui, Inch'Allah al-Khair, beaucoup de bien entre les deux. C'est évidemment. Tu vois. Merci. Surtout que c'est vraiment. Moi, je la connais pas, mais Tobias, on se connaît maintenant et c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon. Je confirme. Maintenant, la question, c'est moi le fait que les gens étaient surpris qu'ils étaient ensemble. Je suis un peu en mode, ouais. Pour moi, c'était trop cramé. Jaloux. Mais t'es malade ou quoi? Après, elle était plus rapide que moi. Mais après, elle était plus rapide que tout le monde, hein. Les gars, je connais pas beaucoup de mecs qui se marient à 19 ans. Même mes parents, et je vous l'ai pas dit, c'est vrai, je voulais pas raconter. Quand j'ai annoncé du coup à mes parents que j'allais me marier, mais. Oh, même à mes frères et sœurs, à mon grand frère, ma grande sœur, on a discuté avec Bilal qu'on voulait se marier. Donc bon, il fallait que j'en parle à ma mère en premier lieu. Je m'étais dit, pour que ça passe le mieux, j'ai d'abord en parlé à ma mère, pour que ma mère ensuite va en parler à mon père. Alors moi, je trouvais ça gênant d'aller voir mon père et lui dire, bon bah, je vais me marier, tiens, je vais te le présenter. Je trouvais ça un peu, voilà, touchy. Donc je vais voir ma mère, je lui dis, bon, maman, faut qu'on parle. Elle venait de rentrer du boulot, vraiment fatiguée, épuisée, elle voulait juste rentrer à la maison, quoi. Je l'appelle, je lui dis ça, je lui dis, maman, je dois t'annoncer quelque chose. Je dis, ok, bah, ça peut pas attendre que je rentre. Non, maman, vraiment que je te raconte là. T'es où? Elle me dit, mais là, je suis dans les transports, j'arrive. Non, bah, attends, je descends. Dis-moi quand t'es là, genre dans même pas 5 minutes, je descends. J'étais déterminée à en parler à ma mère. Donc voilà, ma mère me dit, bon, bah, je suis là, descends. Je suis descendue de chez mes parents, les gars. Je suis allée voir ma mère en bas de chez elle. Hein. Pas à l'intérieur parce que je voulais pas qu'il y ait mon frère ou mon père qui entendent. Et je lui dis, bon, bah, maman, je vais t'annoncer quelque chose. Elle me dit, bah, quoi? Tu vas te marier? Et je la regarde droit dans les yeux. Je lui dis, oui, maman, je vais me marier. Parce qu'elle me regarde, elle me dit, mais ma fille, tu es trop jeune, tu me fais un prank. Elle pensait que je faisais un prank YouTube. Donc après, ma mère en a discuté avec mon père. Mon père aussi, il était surpris. Mais ça va, tu es jeune, tu es sûre de vouloir faire ça? Bon, bah, on va rencontrer Bilal. Ils se sont rencontrés et ok, bon, bah, on va rencontrer ses parents. Et si on s'entend bien aussi avec ses parents, bah, go, hein. De toute façon, on peut que être fier et que content pour toi, ma fille. C'était trop cool. Et ensuite, j'en ai parlé à ma soeur, à ma grande soeur. J'appelle ma grande sœur sur Snapchat. Je dis, Soumaya, ça va? Bon, bah, je dois t'annoncer que je vais me marier. Et là, il y a ma grande sœur, elle me dit, mais ça va, t'as 12 ans? Mais après, elle m'a dit, en vrai, je suis trop contente pour toi et tout. Bon, au début, ça a un peu fait un petit choc à la famille, on va dire, de se dire que la plus jeune va se marier, mais c'était ok. Moi, mon grand frère, il était en mode, mais vous êtes zinzin? Vous allez les laisser se marier? Et ensuite, il a vu que Bilal, c'était un mec super cool, que c'était un mec super gentil, super droit. Voilà, et je suis amoureuse aussi, donc bon, je vais vous le vendre, mais trop bien. Vite fait, juste avant qu'on reprenne les TikTok, petit aparté, t'as pas oublié quelque chose? Mm-hmm. T'es sérieux? T'as même pas liké la vidéo. Non mais c'est bon, on peut plus discuter, c'est bon. Lâche le pouce, non. J'arrête, je suis vraiment une forceuse. Reprenons. Se marier à 18 ans, c'est mais choquant. Oui, il y a Domingo qui a aussi réagi. En fait, il y a tout le monde qui a réagi à la demande. Se marier à 18 ans, c'est choquant. C'est pas choquant. Merci. Je sais pas si c'est lié à la religion, pas la religion ou autre, quoi. Si, oui, en plus de ça. Bon, je vais être honnête avec vous, je vais être franche. On a décidé de se marier tôt parce que de 1, on s'est rencontrés et ça s'est bien fait. Et de 2, bah parce que oui, c'est aussi pour des raisons religieuses. Vous voyez, bon, chacun sa religion, chacun ses croyances, mais voilà quoi. Nous, on voulait faire correctement les choses, c'est tout. Qu'il arrive, c'est des gens qui s'aiment. Et en plus, à un moment, vous cassez les couilles à tout le monde parce que les gens sont soit les. Alors. Attendez, mais c'est trop drôle là. Là, c'est Dark Domingo. Là, c'est Domingo. Soit les jeunes sont trop entre guillemets libertins, machin ou autre. Soit du coup à l'inverse, ça se marie trop tôt. Si les gens s'aiment et qu'ils veulent se marier, laissez-les se marier. Merci Domingo. Merci. Il a dit les termes. Honnêtement, c'est naïf. Mais si c'est bien d'être naïf, mon frère. Merci. T'es pas naïf, tu crois en rien aussi parfois. C'est vrai. Bah de toute façon je peux qu'être d'accord avec lui. Sachez que ça m'est aussi traversé à l'esprit le fait de me dire, ça se trouve, on se marie mais ça va mal se passer ou quoi. Je me dis que non, même si on est jeune ou quoi, vaut mieux faire les choses correctement dès le début plutôt que de ne pas les faire. Ça c'est beaucoup trop mignon. Mais ça a rien à faire sur internet. Bah justement c'était ce moment là. Quand je suis sortie du plateau j'étais comme ça en mode, je réalise pas ce qui se passe. J'ai été en tremblement de terre. T'as qu'une ou quoi? Ou être un bonhomme?
Ça, je like. Oh mon dieu, il y a Gossip YouTube qui a fait un truc sur moi. Choco va se marier avec son meilleur ami. Pour ceux qui connaissent Choco de son vrai prénom Safa, vous savez qu'il y a deux sujets principaux sur lesquels elle a fait beaucoup parler. C'est son âge, où elle a fait croire qu'elle avait 16 ans. La fameuse carte d'identité. Mais aussi ses relations avec d'autres influenceurs, que ce soit des relations amoureuses ou familiales. Comme quand beaucoup pensaient qu'Inoxtag était son frère. C'est vrai! Pendant une longue période, j'avais beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais frère avec Inoxtag. Et moi, ça me faisait trop rire. Mais non. Mais ça, c'est juste parce qu'on est deux arabes. Hein. Elle a commencé à s'afficher avec celui qu'elle appelait son ami, le streamer. Mais là, vous voyez, c'était vraiment mon bête de pote. Hein. Vraiment, là, pour être franche avec vous, Tobias, à ce moment-là, c'était vraiment mon meilleur ami. Dans les commentaires, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous croyez en l'amitié, fille garçon? Je likerai les commentaires les plus pertinents. Un de ses abonnés l'imaginait en couple. Et pour le coup, elle n'a là, jamais... c'est vrai, par contre, là, quand je revois la photo, c'est suspicieux. En fait, je pense que même inconsciemment, je m'en rendais pas compte. Mais c'est vrai qu'en voyant cette photo, les yeux ne mentent jamais, chicos. On souhaite donc tout le bonheur au futur mari. Merci. Dans les commentaires, ils disent quoi? C'est qui, eux? Oh, les aigris. Mais c'était une blague quand ils disaient meilleur ami, hein. Ah non. Non, de base, c'était mon pote. Ensuite, c'est devenu mon pote de pote. Et ensuite, c'est devenu mon meilleur ami. Et mi-meilleur ami, mi-voilà. Oh, mais... Quelqu'un a récupéré le snap, parce que ça c'était dans ma story. Le snap, elle l'a mis sur TikTok pour vous dire à quel point vous êtes trop cute. J'ai vu, vous étiez genre 100 000 à regarder mes snaps, c'est trop une dinguerie. Je vous mets le snap code à l'écran. Si vous voulez m'ajouter, vous pouvez soit screener, soit taper Choco off. POV, ma réaction quand Tobias et Choco se sont mis enfin en couple dans Dalcy. Bah là, c'est vraiment plus en couple, là, c'est vraiment fiancé. Voir les commentaires, c'est une chose, mais vous voir même dans la vraie vie, nous féliciter pour ça, je trouve ça trop mignon. La dernière fois, je suis allée à la salle de sport pour, voilà, histoire de perdre un peu de poids, histoire de rentrer dans la robe, quoi. J'ai vu des filles venir me voir, trop mignonnes, si vous passez par là, je fais plein de love, plein de bisous. Et me dire félicitations et tout, ça m'a grave touchée. Si vous passez par là, je vous aime. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était le live qu'on a fait le lendemain, je crois, la demande en mariage. Drôle. Oula, Tobias, me laisse pas tout seul. J'étais là toute seule, j'avais trop peur. En fait, j'avais tellement de monde sur le live Twitch que j'étais là en mode... Moi, je suis youtubeuse, je suis pas streameuse, s'il vous plaît. Récupérez ce qui se passe là, s'il vous plaît. Oublie pas, Choco, tu faisais du RP Fortnite. Ben non, mais j'en fais toujours, hein. Chaîne secondaire. Y'a pas de joueur qui est en train de se suicider? Enfin genre elle a la fenêtre, c'est grave ou pas? Ah oui, c'est grave. Oh pardon. Vous allez adopter quand karting et laser guy? Non mais vous allez vous moquer de moi. Mais c'est vrai que mon rêve c'est d'avoir genre un autre chaton. Elle l'appelait Bowling. Et après ouais, peut-être Laser Game c'est un peu trop long. Mais c'est trop mignon genre karting. C'est trop cute. Non moi je trouve ça trop bien. Parachute c'est moche. Je vois pas mon chat quoique. Il y a plus que l'amitié avec Toby. Oh là là, vous savez que ce moment là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est passé énormément sur TikTok. Mais genre ça a fait vraiment le tour de TikTok. À vous. C'est devine ou à vous si c'est vrai ou pas. Je te déteste. Parce que là, je suis vraiment obligée d'avouer là. Bah au pire, moi, je propose qu'on l'appelle. Si c'est quelque chose d'amoureux, il va dire coucou mon, je sais pas, ma chérie, oui, ou coucou, oui. Voilà. Et si c'est mon ami, il va faire wesh le sang. En fait, là, j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Sauf que à ce moment-là, les gars, faisaient beaucoup de RP GTA, GTA RP, et moi, je jouais le rôle de Bella, et lui, jouait le rôle de Stanislas. Et lui, son personnage, il m'appelait tout le temps ma femme, genre. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai laissé le moment parce que je me suis dit, bah, y a rien, genre, c'est pas une officialisation quoi. Sauf que en l'appelant. Allô ma femme, vous voyez il a pas dit allô ma femme, il a dit allô ma femme. Sauf que à ce moment-là tout le monde disait oh là là. Donc moi je me suis dit oh non. Bon vous savez quoi, je suis allée sur YouTube Studio. Vous savez c'est là où les youtubeurs et les youtubeuses peuvent avoir accès à leur chaîne. Je fais ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je suis sur YouTube, bam. J'ai coupé le segment de la vidéo en urgence et tout, j'ai retiré parce que ça faisait le tour du web. Et bon bah après maintenant j'ai plus rien à cacher donc je m'en à vous. Les Choco Pops, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié. J'espère en tout cas que vous êtes heureux pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup pour tout l'amour que j'en sois sur tous les réseaux, que ce soit sur TikTok, Snap, Insta. Tous mes réseaux d'ailleurs s'affichent à l'écran, voilà. Je vais vous montrer mon quotidien avec Bilal. Bon après on va essayer de se préserver et de garder le maximum de choses personnelles pour nous. Je fais plein de gros bisous, c'était Choco. C'est ciao. Si vous avez vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.